Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième partie, donc la décoration de la boîte à souffler, on va dire, que j'ai réalisée. Donc c'est le deuxième projet avec les restes du kit album photo spécial fête des mères. Donc voilà ce que ça donne. Nous avons fait ceci. Donc, une boîte comme ça qui s'ouvre. Alors hors caméra, moi je suis venue faire des intercalaires et coller du papier et faire des papiers simples roses. Bien entendu, vous pouvez les tamponner, excusez-moi. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait un mélange. Je me suis servi de papier noir puisque je n'ai plus de rose. J'ai tout utilisé. Et comme ça, au moins, on voit bien la différence. En fait, ça servira de, comment dire, comme des intercalaires. Alors, bien sûr, si c'est pour un répertoire, vous pouvez venir mettre les lettres en haut. Si c'est pour un album photo, ben, vous faites pareil. Là, on peut mettre des photos. C'est pour ça aussi que je les ai fait à peu près de la taille de la boîte. Voilà, puisqu'on pourra mettre des photos tout simplement. Donc, en fait, vous faites vraiment comme vous avez envie. Hein, je vous montre. En gros, bon, je l'ai fait hors caméra puisque franchement, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc voilà. Et donc là, on va venir décorer. Alors, j'ai envie, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Hein, moi, c'est parce que j'adore ça. Je vais mettre un peu de dentelle. J'aime beaucoup cette dentelle. Il y en a qui l'aiment pas. Moi, j'aime bien parce qu'elle est transparente. On voit à travers. Donc, ça ne cache pas le papier. Donc, moi, je l'adore. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir en mettre ici. Donc, je vais venir tout simplement prendre mon double face bleu. Venir mettre un bout au bord. Venir le couper. Donc là, on va essayer de l'appuyer. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la dentelle. Moi, j'aime beaucoup la dentelle. Donc, j'en mets tout simplement. Donc, on regarde le côté. Et on vient coller notre dentelle. Là, bien entendu, je viens couper. Donc voilà. Ici, je vais venir quand même, du coup, rajouter un bout de double face. Parce que je trouve qu'il faut qu'elle soit quand même bien tenue. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le faire aussi à la colle chaude. Voilà. Comme j'ai une bonne double face, je le fais au double face. Parce que celui-là, je sais qu'il ne bouge pas. Donc, voilà. Et là, tout simplement, on vient appuyer. Hop. Donc, voilà. Pareil, je vais venir en mettre en bas. Mais bon, pareil, on n'est pas obligé. Moi, c'est mon choix à moi, mais... Donc, là. Je viens la couper droite, puisque je vois que c'est pas droit. Je vais arriver à la couper droite. Voilà, pareil, on vient mettre du double face. Voilà. Je vais peut-être le mettre directement. Hop. Donc je mets la dentelle avant. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle soit en fond.
J'ai pas envie qu'elle soit par-dessus comme on pourrait faire, comme j'ai fait des fois. Voilà. Mais vraiment, c'est au choix. D'accord? Je le redis parce que. Donc, je viens coller. J'essaye d'être droite. Je coupe. Et là. Parce que moi, je vais venir travailler la déco après par-dessus la dame. C'est pour ça que moi, je la fais. Je la mets maintenant. Vous voyez, ça tient bien. Je suis pas partie droite. J'y ai arrivé. Donc, hop. Non, voilà. Peut-être je viendrai en mettre après. Là, on va s'occuper du devant pour le moment. Donc, j'ai ma petite boîte avec toutes les chutes que j'ai gardées de l'album photo. Et du coup, ben, je vais venir voir maintenant ce qu'on fait avec. J'avais vraiment envie de mettre cette carte-là. Ici. Tout simplement. À cheval. Et du coup, de venir renforcer la fermeture avec les mains. Donc, on va faire ça. Alors. Pousser un peu, je suis désolée. Le tout est de retrouver mes gémeaux qui ont dû se coller par là. Voilà. Non, je vais prendre deux aimants. Je vais prendre du double face, du simple. Hein. Vous pouvez le faire à la colle aussi. Et je vais venir mettre des aimants ici de ce côté. Donc, envers le bas. Tout simplement. Du coup, là, je vais venir le mater en rose. Alors, est-ce qu'il me reste une chute assez grande? Celle-là. Un peu juste, hein. Bien sûr, il me reste si j'ai trouvé une chute. Donc du coup, là, je vais venir coller tout simplement. Quoi qu'on pourrait le faire en noir aussi. En noir, ça ferait ressortir quand même. Noir ou rose. Voyons, là j'en ai mis le noir, comment ça ferait? Ouais, on va faire un noir plutôt. Oui, je sais. Donc là, ben, je vais venir tout simplement coller. Donc je vais le faire à la colle. D'abord, je vais peut-être en... Si je vais ancrer. J'ancre un petit peu les bords quand même. Je veux pas que ce soit blanc. Donc là, on reprend l'encre puisqu'il n'y en a pas assez. Parce que je veux que ça ressorte et je veux pas que les bords du papier soient blancs pour celui-là. Puisque je le mets en noir, ça va trop ressortir si je le encre pas. Mais bon, après, c'est chacun qui voit, qui fait comme il veut. Et là, tout simplement, ben, on va venir mettre de la colle. Donc, j'hésite pas, bien sûr, à en mettre. Hop. Et là, je vais venir coller. Donc, ça, c'est des chutes de papier. On se sert d'abord des chutes de papier. Je vais essuyer un petit peu.
gars, que ce soit bien, bien, bien appuyé partout. Là, ben, tout simplement, on va venir découper. Autour. Et là. Alors, attendez-vous que ce soit sec. Moi, je le fais à la suite, mais c'est quand même mieux que ce soit sec. Donc, je découpe au bord, là. Je m'embête pas. Donc, là. Bon, le mieux, c'est des petits ciseaux quand même. Moi, ils sont à l'atelier, donc je fais avec cela, mais c'est quand même mieux de prendre les petits ciseaux. Donc, voilà ce que ça donne. Mon étiquette, elle est prête et il y a les mains derrière. Je vais juste venir quand même l'arranger un peu avec le cutter pour le bord. Mais bon, ça, c'est moi. Non, voilà. Hop, ça. Et donc là, ben, je vais venir. Alors, je fais attention que les aimants sont en bas pour venir la coller comme ceci. Donc, je vais venir tout simplement y mettre de la colle ou du double face. On met du double face. Donc, en travers. Puisque du coup, moi, je vais coller que le... que le haut, je vais pas coller le bas puisque en fait ce sera une fermeture. Donc là je regarde comment ça va me faire. Voyez, et donc moi ça me va très bien. Donc ben, on va venir bien frotter, enlever la protection. Hop. Et du coup, alors là, pour être sûr d'être dans le bon truc, je vais venir coller ici. Vous voyez, comme ça, je vois que si je dépasse ou pas. Et bien entendu, on va venir appuyer pour bien, bien faire adhérer le double face. Hop. Voilà. Et là, ben, on va venir tout simplement prendre des aimants. Donc, j'en prends deux. Je prends mon double face si je le retrouve. Je sais pas où je l'ai mis. Vous le voyez, vous? Excusez-moi. Donc, je prends un bout de double face. Je vais venir mettre mes aimants dessus. Tout simplement. Bon, là, il y en a beaucoup. Donc là, je découpe un peu. Quand même. Là, je vais venir me mettre droite. Et appuyer. Pour coller mes aimants. Et là, je vérifie. Et ça colle. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir venir travailler ici, à ce niveau-là. Je pense que je vais les renforcer quand même. Mais bon, ça, c'est moi. Et on pourrait très bien mettre ça en plus après. Après, c'est au choix.
voyez. Mettre, ou dans l'autre sens, faire un jar de composition avec les chutes communes, tout simplement. Là, c'est comme ça, là ce serait joli aussi. J'aime beaucoup celle-là. Ouais, on va mettre celle-là aussi. Donc, je vais la mettre quand même en épaisseur. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, du coup, moi, là, je vais, parce que j'en ai que je préfère renforcer les aimants. Donc, hop, j'en remets. Ma carte, là, je vais venir tout simplement. Alors, avant, je voulais faire ressortir des petites roses. Mais bon, ça, c'est moi. Donc, là, je voulais faire un style de compo floral dessous, un peu comme on pourrait faire, bien sûr, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais que ce soit dans l'album photo ou là, on peut rajouter des fleurs en papier. Ça ferait super joli, quoi. Moi, là, je fais simple parce que je pars du principe que c'est un kit et que je veux que tout le monde puisse le faire. Mais bien entendu, on peut rajouter ce qu'on veut. Voilà, tout simplement, on peut très bien mettre des fleurs en papier, une autre dentelle, ce qu'on veut. Donc là, je vais venir travailler un petit peu par-ci, par-là, les fleurs. Donc je me base en fait, comme je sais que ma carte va venir juste au niveau du double face, où il s'arrête. Je vais venir les placer par-ci, par-là pour voir autour ce que ça va donner. Donc, vous voyez, je ne m'embête pas. Là, je regarde. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Du coup, là. Donc, je vais mettre un peu de mousse. Alors, où c'est que je l'ai mise? Ici. Donc, je viens mettre des petits carrés de mousse, tout simplement. Il faut vraiment que je les nettoie. Ces ciseaux. Donc, des petits carrés sur mes roses. Hop. Bien sûr, vous pouvez faire avec des carrés de mousse si vous en avez. Moi, j'aime bien ces rouleaux-là. Donc, on y va. Voilà. On va faire d'abord les grosses et après, je viendrai mettre les petites. Hop. Ah. Donc là, on va faire le plus grand ensemble et après, si ça fait trop long, je vous laisserai. Puisque de toute façon, après la déco, c'est chacun qui le voit à sa façon. Donc, je vais prendre ma carte et je vais voir à peu près où je vais venir coller tout ça. Donc là, par exemple, là, ici. Donc après, c'est vraiment comme on a envie. On se prend pas la tête. C'est comme ça vient, comme d'habitude. Je vais juste mettre un peu de colle au niveau de la tige. Donc, en gros, voilà, ici. Et on va faire ça un peu partout pour voir comme on a envie. Donc, hop. Là, pareil, un peu de colle. Désolée pour le bruit, mais vous savez que c'est compliqué le confinement. Hop, là.
ici, et ainsi de suite. Mais bon, c'est vraiment comme on le sent. Hop, celui-là. Je le coupe encore un peu. C'est mon mari qui m'embête. Oui, je sais. C'est compliqué, les confinements. Oui, oui. Non, mais là, il rigole. Il fait exprès pour m'embêter. Donc, voilà. Là, on viendra le compléter après. Du coup, je vais venir mettre, pareil, de la mousse 3D ici. Donc, on va... J'évite d'en mettre au milieu, là, puisqu'il y aura les aimants. Donc, j'en mets pas ici, à ce niveau-là. Mais bon. Hop. Et hop. Voilà, je fais en sorte de laisser libre au niveau des aimants. De toute façon, avec la mousse 3D, l'épaisseur des aimants, bon... vont combler, en fait. Donc, j'enlève ça. Hop. Et là, ben, on va venir se placer. Donc, je fais en sorte quand même que on soit bien au niveau des aimants. Donc voilà ce que ça donne et qu'on va ouvrir, voilà. Tout simplement. Ben maintenant on va venir voir, vous voyez, du coup ça comble un peu l'épaisseur. Je sais pas si vous voyez, entre la mousse 3D et les aimants, ça... voilà. Donc maintenant, ben, on va continuer. Alors on va venir par-ci, par-là, mettre des fleurs. Là, je vais juste coller un petit peu, mais alors, la tige. Et puis, on va voir par-ci, par-là. On essaye de pas trop dépasser quand même. Là, je voulais voir si j'arrivais à passer ici. Non, ça va pas, ça me plaît pas. Non. Après, voilà, il faut que ça plaise. Hein. Si ça plaît pas, on met pas. Non, ça me plaît pas. Vous voyez. Donc là, on va regarder les petits papillons. Donc là, je m'embête pas à mettre en 3D. Hein. Je veux juste les mettre ici. Là, on va mettre un ici. Cette fleur, elle va pas aller, ça va faire trop aussi. Ou alors on peut la mettre dessus. Ah oui, là, là ça ferait joli. Donc là par contre je ne fais que la coller parce que je veux pas rajouter trop d'épaisseur non plus. Donc je viens juste la glisser et la coller sur les autres, tout simplement. Oui. Là on est pas mal, hein. Je vais arrêter là, je pense que ça va faire trop charger après. Donc voilà, peut-être ici, oui, venir décorer ici. Donc on va voir ce que on va faire.
Ouais, là, je vais mettre cette rose. Alors là, je colle juste. Mais on peut très bien le mettre en 3D. C'est comme on veut. Voilà. Je viens juste couper ici. Voilà. Puis là, ben, ainsi de suite, on va continuer. On va regarder ce qu'on fait petit à petit, par-ci, par-là. Et puis voilà. Là, je viendrai bien mettre un petit nœud. On peut aussi rajouter là le long un ruban ou un, comment dire, un fil de perles, demi-perles. On peut en mettre aussi. Franchement, on fait ce qu'on veut en fait. Hein. Vous voyez, là, je le mets mais à cheval. C'est vraiment. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler les carteries parce que ben, on a tout en fait. Du coup, j'aime beaucoup. Donc là, je vais juste mettre les cœurs. Voyons ce que ça donne. Ouais, juste un cœur. Bien entendu, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Ici, peut-être aussi un petit cœur. Juste un angle. Ouais. Donc là, je le mets en angle, le cœur. Et est-ce que j'ai pas un autre cœur par là? J'ai les petits. Et là, on va en bas, on va venir mettre les deux petits. Mais bon, on n'est pas obligé. Comme des boutons, en fait. On va mettre. Donc là, hop. Alors, on peut les mettre droit, on peut les mettre en travers. Comme on a envie. Et celle-là. Celle-là, je vais venir la couler. Ouais. Juste par-dessus les autres aussi, pareil, pour ne pas rajouter d'épaisseur. On va juste venir la glisser et la coller. Donc voilà. Là, j'arrête là pour le devant. Ça suffit largement. Donc voilà ce que ça donne. On pourrait aussi décorer derrière cette étiquette. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais juste regarder si je fais quelque chose pour le dessus là et le derrière. Mais je pense que je vais laisser simple. Voilà, tout simplement. Bien entendu, tout ça, je vais pas le faire parce que vous savez le faire. Tout le reste, les papiers, les chutes et tout, on les garde. Surtout, on ne les jette pas. On s'en sert pour d'autres créas ou on s'en sert pour faire des cartes. Voilà. Donc ouais, moi je pense que là je vais arrêter là. Il y a que là que je sais pas si je mets pas une dentelle. J'espère que ça fasse beaucoup. Mais d'un autre côté, voilà, ça ferait pas non plus super chargé. Donc, puisqu'il y aurait que ça. Ouais, donc je vais juste mettre un bout de dentelle ici. Hop, je vais vous remonter un peu que vous y voyez. Donc je prends mon double face, donc le bleu, hein, toujours pareil. Je viens couper. Oh, j'y arrive plus. Faut vraiment que je le nettoie. Donc là, je vais faire directement. Je vais venir l'enlever. Je vais venir la coller. Hop. Donc là, je vois que je pars un peu en travers. Donc on n'appuie pas, on enlève.
Je vais juste couper très droit. Ouais, je suis pas sûre d'être droite. Si, là, ça le fait. Je colle. Je coupe. Je viens remettre un bout de double face. Bien coupé. On appuie, on enlève, comme d'habitude. Et on vient tout simplement appuyer. Là, je vais venir couper. Non, alors peut-être pas avec celui-là. Puisque là, en fait, j'ai dépassé, donc c'est pas joli. Tout simplement, et on va s'arrêter là. Du coup, je vais juste faire pareil derrière, en haut. Et même peut-être en bas. Bon, je vais le faire en haut déjà, et après je m'arrêterai là. Je sais pas si je vais le faire en bas. On verra, mais je pense pas. De toute façon, je vous présenterai le projet avant le tuto, donc vous le verrez. Hop. Là. Là. Excusez-moi. Donc, on y va. On enlève. Bien entendu, la dentelle, si vous n'aimez pas, vous en mettez pas. Si vous n'en avez pas, ben, vous mettez autre chose. Hein. Vous pouvez très bien mettre aussi de la dentelle en coton. Moi, celle-là, j'aime beaucoup. Donc, et je pense que tout le monde en a en plus. Hop. Et elle est pas chère. Donc, là. Là, ouais, je pense pas que je mettrai en bas. Non, ouais, voilà, notre projet est terminé. Donc là, on peut encore rajouter, voilà, hop, le dessus, le derrière. Je viens de remettre le tampon et puis voilà. Ben écoutez, j'espère que ce petit projet, ce deuxième projet, donc, vous a plu avec ce qui restait du kit. Bien entendu, ce n'est que parce que moi j'ai imaginé avec les restes. Bien entendu, après vous faites ce que vous voulez avec. Le reste, vous faites des cartes. Vous pouvez même faire un mini album photo avec le peu de papier qui reste. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère vraiment que ces deux projets vous plairont. Moi, je suis assez contente. Je n'ai pas trop l'habitude de travailler des papiers comme ça, fleuris et tout. J'aime beaucoup cette collection. Voilà. Donc, franchement, je suis très, très contente. Donc, bah, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.